My name is Juan Manuel de Biedma. You guys might know me as Hungrybox. And exactly a year ago today, someone threw a crab at me after winning Pound 2019. Who threw this? Hey! Who the fuck threw this? Who threw this at me? Fuck off, dude! You know how hard I work on here? I'll win. Comment on a pu en arriver là? Ça me rend triste, hein. Le début de la vidéo me rend triste. C'est compliqué de parler de Hungrybox, détesté par beaucoup, adulé par beaucoup, et sans aucun doute le dieu de mêlée qui aura le plus fait couler d'encre. Mais commençons, si vous le voulez bien, par poser les bases. Hungrybox a grandi à Orlando, en Floride, une des plus grandes villes de l'État. Il découvre jeune la licence Smash Bros avec ses deux frères et passe beaucoup de temps à se taper dessus en famille. Très vite, son attention se porte sur une petite boule rose qui a cette attaque si particulière et ultra puissante, le repos, qui fait voltiger l'adversaire, quels que soient ses pourcents. Pour Hungrybox, la découverte de ce coup est une révélation. Il veut gagner en utilisant ce personnage. Il veut placer des repos et faire exploser ses adversaires. Dès 2006, à seulement 13 ans, il commence à se rendre régulièrement au tournoi de sa ville. Il débute tout en bas de l'échelle et se fait vite calmer par les autres joueurs du coin. Ne fait pas de bons résultats. Mais à force de venir, Hungrybox tisse des relations avec les meilleurs joueurs de la ville, commence à s'entraîner avec eux et surtout commence à prendre du niveau. Après seulement quelques mois, il bat régulièrement les meilleurs joueurs de la ville. Puis il bat aussi les meilleurs joueurs de toute la photo est incroyable. Un type qui jouait à Melee depuis des années. Mars 2009, il est temps pour Hungrybox de se mesurer aux meilleurs joueurs du continent, au Revival of Melee, à New York. Le Mango et Mewtwo King, les deux titans de cette période, doivent se battre pour le titre de meilleur joueur du monde. Hungrybox termine 7ème sur 136, un très bon résultat. Ce qui est pas mal, hein, ouais. Tournoi majeur, mais évidemment, tout le monde a les yeux sur l'iconique affrontement Mewtwo King contre Dashi's Wiz et sur la victoire finale de Mango qui humilie Mewtwo King avec des personnages secondaires. Le deuxième tournoi majeur de Hungrybox est le Genesis et il y termine 3ème sur 290. Excellente performance. Sheesh. Mais c'est éclipsé par la hype qu'apporte ce jeu toujours pas le premier qui vient démolir les Américains à domicile. Et novembre 2009, au Revival of Melee 2, alors que Mango se fait salement éliminer par un Ganondorf, Hungrybox gagne son premier tournoi de niveau national en éliminant lui-même ce Ganondorf, puis en battant PPMD en grande finale. Fin 2009, pour sa première année à faire des tournois en dehors de la Floride, okay. Hungrybox est déjà classé numéro 3 mondial, juste derrière Mango et Armada. Et c'est en 2010 qu'il va vraiment briller. Une première place à l'Apex et au CEO parmi d'autres très bons résultats tout au long de l'année. Fin 2010, Hungrybox est classé numéro 1 mondial. Mais ah pas ouais. Vraiment en fait. Rappelez-vous, 2010 okay. C'est la période où Mango fait n'importe quoi en tournoi et entre souvent avec le pseudo Scorpion Master, avec son Mario ouais, et d'autres okay. personnages pour troller. Et si sur le classement Hungrybox apparaît comme numéro 1, eh bien la perception globale à cette époque, c'est que Mango est toujours le meilleur joueur du monde et qu'il aurait juste à reprendre Rondoudou quand il veut pour battre n'importe qui. Et en effet, en 2010, Hungrybox n'a jamais gagné contre Mango quand il joue Rondoudou. Et il est temps qu'on parle plus en détail de ce personnage. Ouais, ça pour l'ego, c'est dur. Pourquoi en 2010, les deux meilleurs joueurs du monde de Melee jouent cette boule rose? C'est quoi cette blague? Nobody wants to see Puff. I should ask everybody in this room if they want to see Puff, but all say no. J-Puff cries when you hit her. Friggin' bitch, she got that smile. Ah ouais. Back airs. Oh my god, I hate that move. Le hate du ballon rose. C'est un personnage pour rire que les développeurs ont ajouté dans le tout premier Smash Bros car ça faisait un perso supplémentaire facile à créer en reprenant la forme et des attaques de Kirby, une autre petite boule rose qui flotte. Rondoudou semble avoir été créé pour être mauvais. Il est très lent au sol, la plupart de ses coups sont pas impressionnants et ont peu de puissance. Vraiment, il est pas incroyable au premier abord. Dans la toute première tier de la communauté de Melee, Rondoudou était classé 17ème sur 26. Et en 2010, ah oui, avec la domination de Mango et Hungrybox, on classait Rondoudou à la troisième place. Pourquoi ce bond en avant? Qu'est-ce qui rend Rondoudou si fort? Eh bien, avoir 5 sauts et flotter, c'est excellent quand il faut empêcher l'adversaire de revenir au terrain, ou simplement revenir soi-même depuis très loin. Mais aussi, ah, le truc vole en fait. Il y a des attaques de Rondoudou qui le définissent et qui sont tout simplement parmi les meilleurs coups de tout. C'est incroyable. Déjà, le back air. Alors, ça semble anodin comme ça, c'est juste un coup de pied en arrière. Mais maintenant, si on regarde la véritable hitbox, on commence à comprendre le problème. Toute la zone rouge, c'est où tape véritablement
véritablement le coup. Vous voyez, la plupart des attaques ont une hitbox qui correspond au visuel du coup. Ben, dans le cas de ce back air, c'est pas du tout le cas. L'attaque frappe beaucoup plus loin que prévu, c'est comme si Rondoudou avait une épée au bout du pied. C'est sans doute un oubli, une des conséquences du développement chaotique de Melee, et pas de mise à jour possible, ça restera comme ça à jamais. Du coup, cette hitbox généreuse, combinée au fait que Rondoudou se déplace très vite dans les airs, fait qu'il peut être extrêmement dur de l'approcher quand il utilise cette attaque à répétition. Et soyez sûr que Hungrybox n'a pas peur d'abuser de ce coup. You know, Fox has to land these crazy recoveries and multi-shines and crazy inputs and pivots. I just got a back air. Et le deuxième atout de Rondoudou, c'est bien évidemment le repos. Un coup créé pour être une blague. Rondoudou s'endort et ça vous dégage. C'est ultra fort, de loin le coup le plus puissant de tout le jeu. Vous pouvez mourir d'un repos à 0%. Et en plus, Rondoudou a des combos qui se terminent sur un repos. Cette attaque est absolument centrale et est vraiment ce qui fait que Rondoudou est Rondoudou. Mais c'est aussi un coup très risqué. Si on le rate, on reste à dormir sans rien pouvoir faire. Et vu à quel point Rondoudou est léger, c'est souvent une peine de mort pour lui. Et en plus, ce repos, ah ouais, t'as une question de poids dans Smash, je savais pas ça, par contre. La hitbox est à l'intérieur de Rondoudou. C'est pas un bug, c'est juste que vous devez vraiment être sur votre adversaire pour que ça fonctionne. Mango et Hungrybox ont réussi à utiliser les forces de ce personnage. Putain, mais ça va être ultra dur à use en différente. Fait. Là où Mango est ultra agressif et joue à l'instinct, Hungrybox est très patient. Il reste à distance, attend l'erreur adverse. My highlight rare and I punish you for it. It's never about what I'm doing. I play always off my opponent. They determine whether they lose or not. Hungrybox entre dans un match de mêlée avec l'idée que c'est un match à mort. C'est aussi pour ça qu'il prend peu de risques en jeu. 20 petites secondes pour vous parler des boutons like et s'abonner. Abonne-toi. Tu connais Displate aussi? Bye à pas ici. Donne ton like là. Plus vite. Oh, c'est un prime dans ta poche, I? Donne. Ok, YouTube friendly, t'exploitations. He has a game style and he's never forfeiting that game style. He's not going for like risky stuff. He's kind of more of an annoying player just the way he plays. And if you start getting annoyed by it, that's when he starts shining. That's like when he gets in your head. Certains décriront à raison son style comme celui d'un homme effrayé constamment. Et du coup, quand il gagne, c'est forcément une énorme décharge d'émotion. Il est en vie, d'autant qu'il gagne souvent sur un repos. When I press, when I press that red button, I'm saying the set is ending here. I'm either winning or I'm losing. Et il est d'ailleurs connu pour ses célébrations de victoire, toujours ultra violentes. Il ne sait pas se contrôler. Ah ouais. En fait, le mec est contrôlé jusqu'au bout. Juste à ce qu'il gagne. Et parfois, ça tourne mal. Oh merde. And that's it. Holy cow, that was Winter Smile. Yes. Oh my god, he's gonna break the TV. To be honest, I understand why right now. Là, il s'est défoncé le pied en shootant cette pauvre chaise. Et même ça, c'est clivant. Pour beaucoup, ces célébrations, c'est de la mise en scène. Il en fait trop. Et vous vous doutez bien que dans Melee, un jeu où on adore voir des matchs ultra rapides qui en mettent plein les yeux, avoir un Rondoudou qui attend, bah, ça n'allait pas franchement chauffer le public. Et ça n'allait pas chauffer les joueurs. Ouais, ça va être terminé. Que de tous les dieux de Smash, c'est le mec qui a le gameplay le plus résident sleeper possible et qui en fait des tonnes quand il gagne, genre. Non plus. C'est incroyable. I want all 5,000 of you to know that Hungrybox is a fraud. Hungrybox le dit lui-même, il n'a pas la dextérité technique d'un Mango ou d'un Armada. Il ne serait pas capable de jouer comme eux. Utiliser Rondoudou, un personnage moins technique au niveau des mains, lui permet de mettre toute son énergie dans son plan de jeu patient. Le truc, c'est que quand vous basez votre style de jeu entier sur l'attente d'une erreur adverse, bah ça marche plutôt bien contre la plupart des joueurs, même contre des tops mondiaux. Mais voilà, quand en face vous affrontez des dieux du jeu, c'est pas la même. Et après une excellente année 2010, ça va être une vraie descente aux enfers pour Hungrybox. Son jeu ultra défensif ne marche pas dans les matchs les plus importants. Oh.
entre 2011 et 2015, Hungrybox ne gagne tout simplement aucun grand tournoi marquant. Aucun Evo, aucun Genesis, Apex, Big House, Pound, rien. L'histoire de Melee s'écrit sans lui. C'est un dieu de second plan, celui qu'on bat pour gagner un tournoi, celui qui ne gagne. Il me fait de la peine en vrai. And your Apex 2012 singles Melee champion, Armada from Sweden, proving that today he is the best. Mango is your grand finals champion for Big House 2. So Mango actually getting to triumph over HBox in three different games this tournament. Oh, definitely. Kind of an ouchie to the ego. Yeah. Congratulations to Dr. Yeah. Beepy. Congratulations. He played phenomenal the whole set, the whole tournament. C'est marrant, puis BMD, en parlant de on a 4 vidéos, 4 vidéos, on a quasiment jamais parlé. Good stuff to Mango, taking a tournament win over some really, really tough competition. Congratulations to Mewtwo King, he is our Melee champion. Après, il a l'air un peu plus habitué à Luz déjà. Il étend bien les Luz, je trouve. Il étend bien les Luz. Durant cette période, Hungrybox doit faire face à trois problèmes. Yo Tex, MV pour le Prime. Le premier problème, c'est Armada. Le Suédois déteste Rondoudou de toute son âme. Faut dire que, de base, Rondoudou est très fort contre Peach. Well, then you can relate to me. Yes. She has been a torture for me for like the past 17 years. Pour affronter Hungrybox, Armada fait donc un choix original dès le Pound 5 en février 2011. Il prend Link enfant, un personnage considéré faible qu'il a entraîné en secret en Europe. Hungrybox veut jouer patient et défensif ? Ok, Armada va lui faire goûter à de la vraie patience. Le set dure des plombes, Armada passe sa vie à rester à distance et à balancer des bombes. Hungrybox est sonné, ne sait pas quoi faire contre ce personnage inconnu et il finit par perdre. Le pari d'Armada a marché, il avait campé un campeur et il ressortira encore. Ça c'est incroyable en vrai. Ça c'est giga chad. Un Hungrybox qui va galérer comme pas possible. Et le moment qui l'illustre le mieux, c'est lors du Genesis 2. En demi-finale, Hungrybox affronte Armada et comme d'habitude, ça s'éternise. Ça s'éternise d'ailleurs tellement qu'après 8 minutes, les deux joueurs ont encore 2 vies chacun. On arrive à la fin du temps réglementaire, plus que 10 secondes. À la fin, le joueur avec le plus de pourcents perd. Ok. Hungrybox avec 15%, Armada avec 16%, Hungrybox gagne le match. C'était ultra tendu, c'en est trop. Damn! Il se lève, s'appuie sur la TV, il doit évacuer ses émotions. Armada, lui, ne bouge pas. Il sait très bien que ce n'est que la première partie. Il est déjà concentré sur les matchs suivants du set. Pour ceux qui ont manqué le dernier match, c'était fucking stupid. Don't fucking watch it, just skip to the end. Trying to realize it again. Ouh. That was nice. Oh non, lui met pas un cadmi. Look at him taking every second he can get. Look at Armada, man. No, and the matchup isn't as retarded. If he just approached with nails, throw out nails. We're about to go through another timeout. I really hope this shit doesn't go through 5 games. So whoever wins this better win the next fucking match. This is probably the only time I watch this shit live. I probably will not watch this shit on YouTube. Dead ass. Set in the world. Oh, nice. Nice, EGM. Armada knows all he's gonna be effective. Hungrybox is great at zoning one fucking move. Do something, man. Like up and down. Le mec déteste Hungrybox, c'est pas possible. Like, it stopped working like 2 games ago. What? Yo. Oh, le combo. See, there we go. See, he's not full. Short hopping. Short hop. Ah! Victoire 3-1 d'Armada pour un set qui aura duré plus de 30 minutes. Dans ses confrontations avec Armada, Hungrybox va même parfois prendre Fox ou carrément Ness, un des pires persos du jeu, pour tenter de contrer le Link enfant, sans grand succès. Young Link doesn't counter Pup. Pup beats Young Link. This nigga's just not playing it right. Put Mango in there. Deuxième problème, Hungrybox doit aussi faire face à une armée fait penser à de mid joueurs no-cap. De Fox en tournoi. Fox considéré à cette époque comme le meilleur contre de Rondoudou. Il peut le forcer
commencer à approcher avec ses lasers, peut le tuer très vite et possède des coups dévastateurs comme le célèbre Upscrow Up Air qui tue Rondoudou à des pourcentages indécents. Une armée de joueurs de Fox menée par Mango qui fait lui aussi vivre un enfer à Hungrybox. Really hated that guy. Really. Really disliked him. I wouldn't even talk to him, wouldn't look at him. We would barely shake hands after a match. Et là où Armada reste pro et se tient tranquille malgré sa haine de Rondoudou, Mango s'en tape. Dès l'arrivée de Hungrybox sur la scène nationale en 2009, Mango s'en prend à lui personnellement, moque de son style de jeu. Pour lui, c'est pas le vrai Melee, la façon de jouer de Hungrybox, et il ne perd pas une occasion de trouver un feu de dingue à cette époque. Violente s'installe entre les deux joueurs. If you want to know the moment I was saltiest ever on camera, it's right here. Okay, Mango like four stalked me almost, and then the entire crowd started singing Happy Birthday because it was my birthday. This was so cool. I didn't know that. This was like one of my favorite. Oh, non, en fait, Hungrybox il s'en est pris plein la gueule toute sa vie. En fait, dans sur Reddit, Mango lance une FAQ. Hungrybox profite de l'occasion pour dire tout ce qu'il a sur le cœur. Traite Mango de gamin immature. Il dénonce aussi des trucs très personnels, comme des insultes de Mango sur des proches de Hungrybox. Il aimerait juste qu'il devienne plus respectueux et responsable. La réponse de Mango. LMAO, je n'ai aucun respect pour toi dans le jeu. Tu es une honte pour Melee. T'as appris une seule stratégie et tu fais que ça. T'es nul à ce jeu. Dégage de Reddit et va t'entraîner. Cette réponse de Mango est devenue littéralement un des messages avec le plus de points négatifs de l'histoire de Reddit. Clairement, il était allé trop loin. We had a meeting over Skype with like me, him, and six moderators. LMAO! Because we had to settle this because we were community leaders. For an hour, we just talked this through and tried to see where we were at. I could handle this better, he could handle it better. We changed a lot since this moment. Le troisième problème de Hungrybox, c'est PPMD et son Falco démoniaque, tellement chaud qu'il ne ressent même pas le besoin de prendre Fox. Durant tout 2011 et 2012, Hungrybox ne gagnera pas une seule fois contre lui. Mais on aura l'occasion de reparler de PPMD à l'avenir, vous inquiétez pas. PPMD, aussi, ouais. Durant ces années, on entend de plus en plus parler, c'est cool. Vraiment se développer quelque chose qui poursuivra Hungrybox toute sa carrière. Sur les pas de Mango, de plus en plus de spectateurs et de joueurs commencent à sérieusement détester Hungrybox et ce qu'il nous représente en termes de jeu avec son mais à ce point-là en fait. Mais pas que. On ne parlera pas de lui comme un joueur fair play. Being a top player, you do whatever it takes to win. Like whatever it takes. As long as legal, obviously, I don't want to cheat. But whatever it takes to win, that is in your tool set. Je suis entièrement d'accord avec everything you have, the most times you have. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. Tous les gens qui, tu sais, quand le Fasting Senna est arrivé en pro play, quand il y avait du funneling en pro play, quand les gens ils se plaignent de, je sais pas, des trucs genre Touch Lulu, quand les gens se plaignent des combos Usia Nami, etc. Tout ça, frérot, bon, on te donne les outils. Pourquoi t'es blame de les utiliser? Notre rôle. On te donne les outils. Où est le problème de s'en servir? Juste une le mec est top world. Spectateur. Il se comporte lui aussi plusieurs fois de façon irrespectueuse en tournoi avec les autres joueurs, voire même ses fans. I lost to Leffen, and when a guy came up to me, fake up to me, and said, you know, you still play well. I think I told him to fuck off. Actually, that's how mad I was. My own fan, and because I was like in this rage, really rude, really immature mode. Et à vrai dire, pour beaucoup de monde dans la communauté de Melee, après notre rôle, ça peut sembler con, mais quand tu sors d'un match et t'es encore dans le match. Et que t'as un mec qui est là en mode... C'est comme quand je tilt et le chat est en mode « Mais t'inquiète, on t'aime et tout. » Mais frérot, je m'en branle. Ça va pas me rendre mes LP, ça va pas me faire bien jouer en fait. Tu vois juste, tu t'enfermes dans le tilt. Genre c'est mignon, c'est gentil, tu vois. C'est attentionné mais t'es pas dans... T'es dans un autre mindset en fait. T'es vraiment dans un autre mindset. Le style de jeu de Hungrybox que son... Tu feras mieux la next, bro. Oh, c'est probablement la pire chose que tu puisses dire. Jamais de calmer le jeu, mais de l'huile sur le feu. So I'm gonna do whatever the fuck I wanna do. I'm gonna enjoy it. I'll play this game for 20 more years. If that's what it takes to be the best player in the world. Pour Hungrybox, le raisonnement est alors très simple. Dans sa tête, les gens le voient comme un ennemi
eh bien, il allait vraiment le devenir. Lunettes noires vissées sur la tête, il commence à prendre ce rôle du méchant de la communauté. C'est un cercle vicieux. On déteste Hungrybox, il répond en abusant encore plus, du coup, plus de gens le détestent. Percent is what determines winner or loser. I don't know if you can hear this in my headset, but like, listen to the crowd. Yo, the crowd is not happy. Hungrybox says, what are you gonna do? Hungrybox is a stone cold killer. Do you see his face? Is that the face of a man who cares what Dude, the crowd saying, has to please. Think? Au fil des années, la tension monte, ça ne pouvait pas bien finir. Été 2015, Hungrybox est classé 5e mondial, le plus mauvais des 5 dieux, comme en 2014. Comme en 2013. Ça ne fonctionne pas. Il se casse toujours les dents sur ses compères. Et pire encore, Armada a atteint sa forme finale et débute son règne de terreur. Désormais, il abandonne Link Enfant et joue lui aussi Fox contre Hungrybox. Un Fox d'un tout autre niveau que ce qu'il avait vu jusqu'à présent. Optimisé pour démonter Rondoudou. Hungrybox dira que jouer contre Armada semble souvent sans espoir. C'est comme se battre contre un mur. Quand j'ai joué HBox pour la première fois avec Fox, I was like, this is what I should have done all along. Et pour couronner le tout, un deuxième Suédois, Leffen, venait semer le trouble dans l'ordre établi. Hey, les Suédois, Leffen, Fox de plus à gérer, un Fox qui avait un niveau de dieu. Pas les Suédois de sur Smash. Chance, me too, King. Everyone chance, right? Yeah. And it's hard for me to have that because this is like people really, really, really want me to lose. They really want me to fail. Hungrybox était dans une vraie impasse. Quelque chose devait absolument changer. Ah, c'est trop dur. Le public est contre lui. Façon de voir le il jeu. Est contre des joueurs absolument monstrueux qui font tout pour le counter. Il est détesté par la communauté. Dans sa propre ville, c'est Orlando, trop dur. En perdant encore contre Armada et Mengo. Et mentalement, il quitte un autre moi, je crois pas. Changer. Il abandonne son ego, reconnaît qu'il n'y arrivera pas tout seul et accepte de se faire aider. C'est ici qu'entre en scène l'homme qui a changé la vie de Hungrybox. Laissez-moi vous parler de Luis Rosias, plus connu sous le nom de Crunch. Semble à Sardoche d'une dimension parallèle. Sur la fin de 2015, les résultats de Hungrybox commencent à être impressionnants et très réguliers. Okay. Ouais, quelque chose avait changé. Désormais, Hungrybox avait un coach. Crunch, un joueur de Fox de Orlando, lui aussi un de ses meilleurs amis et partenaire d'entraînement depuis de nombreuses années. À l'été 2015, les deux hommes passent au niveau supérieur. Ils n'allaient plus juste jouer ensemble, ils allaient travailler ensemble. I think Crunch is the only player in like the entire state of Florida that can force talk me. When he's on, I can't. It's the most frustrating thing in the world to play him. When I'm on, he gets salty, and we just take turns making each other salty as. But that's a learning lesson because we realize, damn, if either of us tilt, we just lose really hard. So no matter what, you just can't tilt. Hungrybox dit de Crunch qu'il est le type le plus intelligent qu'il a jamais connu. Il aide principalement le joueur de Rondoudou sur un point qui lui avait toujours fait défaut, l'analyse de match. Repérer les points faibles de ses adversaires à exploiter et surtout corriger ses propres défauts. Ça veut dire passer des dizaines, des centaines d'heures à étudier les défaites de Hungrybox et comprendre pourquoi elles arrivent. Et en plus, respect. Fox lui-même, Crunch abreuve Hungrybox avec tout son savoir sur le personnage. Même si dans les faits, Hungrybox est déjà un expert de Fox en fait. Dans le monde entier, personne n'affronte autant ce perso que Hungrybox. Il en voit partout, tout le temps. Même les gens qui ne jouent pas Fox le prennent pour le contrer. Et ben après des années et des années, Hungrybox comprend de mieux en mieux. C'est comme ça, en vrai, vous voyez la mentalité qu'il a. Et bah notre rôle, écoute bien. Non cop. Que quand les gens me disent que Caitlyn counter Vayne et que je leur dis que je suis content d'avoir le match-up, on me regarde de travers et je suis très sérieux, je suis en mode bah oui, je suis arrivé à un stade où j'ai tellement joué contre Caitlyn que je le maîtrise suffisamment pour l'utiliser contre eux en fait. Ce n'est pas vrai du tout. Voyez-vous, Hungrybox est littéralement le seul Rondoudou au top niveau mondial. Dans le classement de 2015, il faut aller à la 43e place pour trouver le deuxième Rondoudou. Et c'est un français Tech, puis Prince Abu 55 et Soft 82. 4 Rondoudous seulement dans le top 100.
la même année, il y avait pas moins de 37 joueurs de Fox dans le top 20. Ah, Fox et Balen sont dans le top 20. Et en plus, Hungrybox n'accepte jamais de jouer en match amical contre les autres dieux pour qu'ils aient vraiment le moins d'entraînement possible contre Rondoudou. Et ça, c'est une autre chose qui attire la haine sur Hungrybox. Jouer en match amical en marge des tournois, ça fait partie de l'ADN de la scène compétitive de Smash Bros. Et tous les autres joueurs. Parce qu'en fait, En fait, le truc, c'est qu'un mec qui va pick un champion, même s'il est confort dessus, c'est son main, qui est censé te counter toi, il va partir sur des bases sur lesquelles il va jouer, qui sont censées te counter, et il va jouer autour de ça toute la game, ok? Et même s'il a une possibilité d'adaptabilité, bah, ça sera pas suffisant, en fait, dans le sens où toute ton expérience aura déjà connu tous les scénarios dans lesquels tu peux te retrouver dans un mauvais match-up. Et du coup, tu sauras y répondre quoi qu'il arrive. Donc même un mec bon, tu sauras jouer contre. Pro le font, ils jouent ensemble pendant des heures, s'échangent des astuces et des conseils, s'améliorent ensemble. Tell when I won 100 matches in a row. You didn't win 100, you won like 6. No. And then you go online and said it's 119. I won 119. You both. It was at least 28. Et là où les 4 autres dieux s'entendent bien, il y a vraiment une distance entre Hungrybox et le reste. Et je pense que le refus de jouer ensemble de Hungrybox y est pour beaucoup. Du coup, sans pouvoir s'entraîner contre Hungrybox, les autres dieux s'arrachent les quelques rondoudous restants. Prince Abu est devenu très connu et se fait carrément souvent payer ses déplacements par des joueurs comme Armada juste pour s'entraîner contre Rondoudou pendant les tournois. Rappelez-vous, pour Hungrybox, tous les moyens sont bons pour arriver à la victoire. Tu payes ton partenaire de jeu. Les coutumes du milieu, n'avoir aucune relation avec les joueurs de son niveau, tant pis, son job c'est de gagner, pourquoi est-ce qu'il aiderait ses adversaires à le vaincre? Donc nous sommes enfin en 2015. Armada c'est pas un hater, Armada c'est un droïde. Deux fois. Le coaching de Crunch fonctionnait. Hungrybox développait un style moins passif, avec plus de prise de risque. Et ça marchait. Chauffé par ses 2 victoires, Hungrybox n'a plus qu'une cible en tête. Il entend parler d'un nouveau MLG tournoi World qui regrouperait bientôt tous les meilleurs joueurs d'Europe. Il demande à Liquid, son équipe e-sport, de payer le voyage aussi pour Crunch, et fin novembre 2015, prend l'avion avec son coach direction la Suède pour participer à ce fameux tournoi. Ce tournoi, c'est la DreamHack Winter. Installez-vous bien et attachez vos ceintures. On part chez Armada. Ok, grand ratio qui va rentrer. Attends, mais 2015, il jouait plus là déjà, Armada, non ? Vous doutez bien que si Armada dominait les États-Unis, l'Europe n'avait aucune chance contre lui. Sur notre continent, Armada était juste impérial. De 2008 à la fin de sa carrière, il n'a fait que des premières ou des deuxièmes places. L'Europe, c'est son royaume. Et il n'y a bien que les fun qui arrivent de temps en temps à le secouer. Novembre 2015, Hungrybox débarque donc en Suède. Et il veut du sang. Il est là pour tuer Armada. Il a passé des journées entières avec Crunch à l'analyser sous toutes ses coutures, spécifiquement pour ce tournoi. Évidemment, les deux joueurs se rencontrent en grande finale, en atomisant tout le monde sur leur chemin. À ce moment précis, depuis 2011, Hungrybox et Armada se sont rencontrés 4 fois en grande finale. Hungrybox a perdu à chaque fois, mais peu importe le nombre de fois qu'il est tombé si près du but, Hungrybox s'est toujours relevé. Et après des années à l'attendre, le 28 novembre 2015, c'était enfin son moment. Attends, mais il est en train de ratio là. Mais attends, mais c'est moi ou c'est un remix de Gorillaz? C'est un remix de Gorillaz. Ça va bien. Attends, mais il est en train de détruire la game en fait. I think that is it. Congratulations to Hungrybox making history here on European soil. He is il l'a en vrai, avec tout le taf qu'il a mis, il l'a fait respirer. Après sa victoire, les émotions prennent le dessus. Et lors de l'interview d'après-match, Hungrybox craque totalement. I've wanted this for so long. You know, my dad just passed away, you know. It was my biological dad, and we... I know it's personal stuff, but he told me, you'll never be the best. You'll be good, but you'll never be the best.
So I hope he sees me now. Et là, on est obligé de faire un petit écart sur la famille de Hungrybox. Wow, en fait, il a grandi à Orlando, oui, mais il n'y est pas né. Hungrybox est argentin à la base, il a vu le jour à Buenos Aires. On va pas entrer dans les détails, mais à la fin des années 90, la situation économique en Amérique du Sud est vraiment compliquée, particulièrement en Argentine, qui subit une vraie crise. Dans cette atmosphère tendue, les parents de Hungrybox tentent leur chance à l'étranger, aux États-Unis, et s'installent à Orlando. Et si Hungrybox a un immense amour pour sa mère, qu'il considère comme la plus merveilleuse personne du monde, avec son père, c'est clairement pas la même. Il le décrit comme féroce, brutal, bipolaire. Mais je le connais, lui. Il a fait une considère série, non ? Comme la plus merveilleuse Narcos. Personne du monde, avec son père, c'est clairement pas la même. Il le décrit comme féroce, brutal, bipolaire. Un homme borné qui a toujours eu en travers de la gorge d'avoir dû quitter son pays. Et en 2009, alors que Hungrybox a 16 ans, son père quitte la famille pour retourner en Argentine. Il ne reviendra jamais. Ah ouais, son père en a fait time, it was like the biggest relief in the world. It's just like... I can go home and I can, you know, do my homework now without the sounds of huge yelling. T'imagines si t'es content qu'il ait plus ton père à la maison de compétition. Ces mots résonneront à jamais chez Hungrybox. Il sera fort, mais il ne sera jamais le meilleur. C'est là où je me dis que j'ai quand même la chance d'avoir à quel point cette phrase a dû résonner chez Hungrybox pendant ces années à se contenter de la 5e place mondiale. Mais ça changeait. Grâce à la fin d'année en boulet de canon de Hungrybox, il est classé numéro 2 mondial pour 2015, derrière Armada. Ça promettait pour l'année suivante. Because you needed to lose, you were winning too many things. You need to lose sometimes, dude, for just for the sake of everything. C'est vrai. En 2016. C'est vrai que tu as besoin de perdre for the sake of everything. Ça peut sembler bête, mais ce que, en vrai, Mango, des fois, il sort des punchlines et il s'en rend pas compte, nos trolls. C'est vraiment. Des fois, c'est nécessaire de perdre pour continuer l'évolution. Tu ne peux pas être au top du top si tu n'as pas connu la défaite, en fait. C'est pas possible. Et si tu le laisses, c'est qu'une question de temps, en fait. Progression évidente de Hungrybox grâce à Crunch, Liquid l'engage officiellement comme coach privé de comment Hungrybox. Comment peut autant rire ce mec? Leur faut comprendre la scène la pro. C'est comme quand tu vas en solo queue, tu remets pas en question le background si ton jungler est orphelin ou joue à une main ou pas, genre. Non, t'es juste en mode, ok, il m'a pas gang, c'est un sale fils de pute. Commencez pas à faire les mecs. Commencez pas à être en mode, comment on peut le haïr? On est les premiers concernés. Hungrybox est en feu. Sur 12 tournois, c'est pas moins de 8 premières places. Puis arrive l'événement le plus attendu de l'année, l'Evo 2016. Et cette fois, c'était pas juste le plus gros tournoi à cette époque. Non, l'Evo 2016, c'est le plus grand tournoi de mêlée de tous les temps. Encore aujourd'hui, okay. Avec 2372 joueurs. Et cette année-là, mêlée avait enfin gagné une place sur la plus grande scène de l'Evo. Le monde avec les Cador comme Street Fighter, une scène somptueuse avec des énormes écrans géants sur tous les coups. Damn, attends, ça devait être tellement hype. Il faisait partie des grands et c'est Smash 4 qui se contenterait de la petite scène cette année. Pour Hungrybox, l'Evo, c'est synonyme de malheur. Lors de l'édition 2013, il est contre Wobbles en finale winner. Le set se joue, on a Wobbles, on se prépare à lancer le match 4. Sauf que non, en fait, cette année-là, les règles de l'Evo sont différentes des règles habituelles en finale, et c'est le premier à 2 victoires qui gagne, pas 3. They think it's 3 out of 5 because that's the standard. And there's the handshake, Hungrybox. Oh, Hungrybox is not happy about this. There's the handshake. Hungrybox est éliminé alors qu'il pensait pouvoir encore jouer. Pire façon de perdre. Puis il se fait humilier ça, dans l'arbre loser d'accord. Par Mango sur une anticipation dont lui seul a le secret. Ça m'est arrivé en. Ça m'est déjà arrivé en OTF. J'arrive. Je joue une game, j'étais en pitch chilling, on est en mode tranquille, on teste tous la draft, etc. On tacle le terrain un peu, la game. On perd des qualifs d'entrée de jeu. Et on se rend compte en fait que c'était un BO1 et c'est pas des BO3. Et on n'a pas pu jouer de l'OTF du coup. Et on avait 10 bandes. Evo 2014, c'est la seule fois où Hungrybox parvient à battre le Link Enfant d'Armada. Et c'est d'ailleurs après cette défaite que le Suédois changera de stratégie et commence à utiliser Fox contre lui. Mais en grande finale, Hungrybox perd contre Mango.
et il termine deuxième. Evo 2015, Hungrybox bat Mango en le torturant et restant au bord du terrain et en le faisant se suicider, mais en grande finale, il perd contre Armada. Il termine deuxième. Encore, le trophée lui échappe, toujours si près, toujours si loin. Hbox is... He's the giver of free Evos. He gave me a free Evo, gave Armada a free Evo. Yep. Thank you, Hbox, for giving us free Evos. I appreciate it. He'll get second at every Evo for the rest of his life, and then you gotta thank him for giving you a free Evo. Evo 2016, c'est dimanche. C'est dégueulasse de dire ça. Pour voir les 8 meilleurs joueurs du tournoi s'affronter. En demi-finale, Hungrybox est contre Plup, numéro 6 mondial, un autre joueur de Floride, star montante et chouchou du public. Hungrybox le connaît bien. Parle trop mal, le Mango, par contre. Doudou, c'est dans la poche. Genre de tous les joueurs, c'est celui que j'ai trop qui parle le plus mal. Même s'il y a des suspects dans les autres joueurs et tout. Oh, Hungrybox a trop mal. Là, Hungrybox est totalement dégoûté. À ce moment, pour lui, c'est sûr, il est maudit. L'Evo, il ne va jamais y arriver. Et c'est là qu'intervient encore Crunch. I had already given up there. Then, you know, Lewis told me, you can do this. I've seen you play better than this. You can beat everyone on that stage. He told me to, you know, get my ass to the Starbucks or whatever, get a coffee, get yourself back in it. Take it one at a time. Son coach lui a sauvé la vie. Crunch lui a sauvé la vie. Il lui a littéralement sauvé la vie. Being able to do this. Backer wall right now. He's just zoning him out. Is that going to be a rest? No. Carries him off stage instead. Oh, that's my future. Thank you for the next Evo that I get free off Hbox. It'll happen. Mango right now. We talked about how he just not turning around. Oh, there's the wall. He's on the wall. He just not. Il la slip. Il la slip. Sending Mango out of the tournament in fourth place. Yeah. All right. Il était vraiment en mode. Bon, il était vraiment en mode Ribozo. Il était vraiment en mode Ribozo là. En mode. Bon, il était comme ça là. En grande finale, Hungrybox retrouve bien évidemment Armada. Armada qui l'avait battu l'année précédente. Et ok, va-t-il battre Armada? C'est qu'en 2016, c'est de la. Alors qu'Armada rankait absolument tout. Finale digne du plus grand tournoi de tous les temps. Oh, yeah. Yeah. No, so, attends, il a une vie de plus? Pixel Game? Pixel Game. Ok. Mais je suis hype pour Hungrybox. Deux entre Hungrybox et Armada. Le Suédois a deux vies. Hungrybox plus qu'une. Et désastre, il se fait attraper. Vous vous rappelez de ce que je vous avais dit? Ah, et possède ouais. Des combos dévastateurs comme le célèbre Up Throw Up Air qui tueront Doudou à des pourcentages indécents. Le match est plié, Armada va gagner l'Evo 2016 sur une phase qu'il a placée des milliers de fois. Avec Melee, rien n'est jamais simple. Okay. Armada place bel et bien le Up Air, mais Hungrybox ne va nulle part. Alors c'est pas un bug ou quoi, c'est juste ce qu'on appelle la SDI. Vous pouvez faire bouger légèrement votre personnage juste après avoir reçu un coup, et ici ça permet de se décaler juste ce qu'il faut pour ne pas se faire toucher par le deuxième coup. Damn! Très précise et réussir à placer ça à ce moment avec autant de tension, c'est divin. Mais Hungrybox reste dans le mal, il est à très haut pourcentage et Armada a une vie de plus que lui. La moindre erreur et c'est la fin, il allait devoir jouer parfaitement. Il va le tuer, mets en slip. Je vois que ça. Hungrybox se lève. T'as le droit de le tuer à 68%? En 2011, c'est pas terminé. Il la slip. Hungrybox doit encore gagner un set entier. Il la slip ou pas? Pour le tournoi, car il vient de l'arbre loser. Comment il la tège à 68%? Armada n'a pas bougé et est déjà concentré sur la suite. Mais quelque chose a changé. Ce n'est pas. Oh, il la slip. Hungrybox de 2011. Papa! Oh, le monstre! Ok,
Oh, il l'a re-slip. Bon, les slip tickle, c'est quand même un truc de dingue. Mais il jongle avec. Il jongle avec les fox, c'est génial. Oh là 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 là, le slip. Attends, mais le turbo ratio. Mais en vrai, ça sent qu'il a une pression en dos dans le sens où tu vois beaucoup plus de combos différents. Il n'y a pas juste le back air, tu vois. Il a win en Evo là-dessus. Respect. Il lâche tout, s'écroule par terre, tombe dans les bras de Crunch. C'est énorme, impensable. Incroyable. Not only that, but the very, very, very end of the first set and the second set of Grand Finals. Il joue un peu, je trouve, il aurait dû. Il joue un peu beaucoup, quand même. Comme d'habitude. Mais non, cette fois, c'est bien lui qui remporte le trophée. Et de l'autre côté, pour Armada, c'est le moment le plus dur de toute sa carrière. La défaite qui le touche le plus profondément. Il reste assis sans bouger de longues minutes. Le titre était si proche et pourtant si loin. C'est pour des moments comme cette dinguerie à l'Evo 2016 que le surnom de Hungrybox va devenir Clutchbox. Clutch un mot anglais pas vraiment traduisible qui veut dans ce cas-là gagner de J'adore ça, c'est notre rôle. Revenir dans une partie qui semblait perdue. Hungrybox est juste le meilleur pour faire des retournements de situation. Contre lui, tant que l'annonceur ne dit pas game, le match n'est jamais fini. Quel que soit le nombre de zéro, d'avance deux que ans vous avez, et la victoire et n'est jamais un, hors de portée. C'est la fois où il est imposé. Surtout quand il a aussi brutal que le repos. Après l'Evo 2016, Hungrybox prend enfin la décision de quitter son travail pour se consacrer à 100% à Melee. Ah oui, c'est vrai, je vous avais pas dit tout ce que je vous ai raconté sur Hungrybox jusque-là. Ben, imaginez que derrière, il était étudiant, puis a eu un boulot. Un dieu de mêlée le week-end, un ingénieur chez Westrock pendant la semaine. Et étonnamment, après l'Evo 2016, et alors qu'il est enfin concentré totalement sur la compétition, ses résultats ne sont pas excellents. Une seule victoire en 5 mois, et c'est dans un tournoi où il est le seul dieu présent. Cette disette en fin 2016 s'explique en grande partie par un seul homme, Armada. Toujours ah, lui. Ouais. Car si Hungrybox l'a battu à l'Evo, eh bien, quand on regarde 2016 en entier, ça pique. Les deux joueurs se sont affrontés 11 fois cette année-là, Armada a gagné 9 fois. Aïe. Et pourtant, Hungrybox termine 2016 numéro 2 mondial. Ça montre juste à quel point le Suédois dominait. C'était insensé, le fossé Armada avait pas l'air prenable. Et le reste, numéro 2 mondial. Armada avait vraiment pas l'air prenable. Voilà, à nouveau, Hungrybox bloqué. Oui, Armada. Armada, c'était scripté tir. Durant la première moitié de 2017, Armada n'est pas humain. Armada domine de la tête et des pieds. Au classement d'été 2017, Hungrybox... Notre rôle de tout ce qu'on a vu pour l'instant, en termes de skill pur, Armada a l'air imprenable. Laissez tomber, il est trop fort. Il est chiant. Il a l'air juste chiant en termes de... Armada despises Puff. I want to make him hate Puff even more. Okay. I want to make him like have nightmares. You want to make him. Ça se passe en deux temps. Tout d'abord au GTX en octobre, dans un des moments les plus iconiques de toute sa carrière. C'est une nouvelle grande finale contre Armada. Les deux joueurs sont en train de s'affronter depuis plus de 30 minutes. On est au 10e match. Le gagnant remporte le tournoi. Armada est en train de mener 3 vies à 1. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de Clutchbox ? Oh non ! Oh Randall ! Il lui met 3 vies à 1 et il gagne. Attends, il l'a farmé en plus, il l'a mis à 130% frérot. Avec une vie. PPM des Pandore et Stepesage. Non, il va quand même pas le refaire. Oh, il l'a refait. Oh là.
En fait, insane. La deuxième moitié de 2017, c'est un sans faute pour Hungrybox. 6 tournois, 6 victoires. Mais en novembre doit se dérouler le dernier énorme événement de l'année, le Smash. Et ouais, t'inquiète, on frappe BMD, mais on fait dans l'ordre, chacun son tour, on fait dans l'ordre. Avant le début du tournoi, Hungrybox et Armada sont à 3 victoires chacun l'un contre l'autre en 2017. Et vu l'année excellente des deux joueurs, il semble clair que c'est le vainqueur de ce Smash Summit qui serait sacré numéro 1 mondial. Évidemment, les deux se retrouvent en grande finale. C'était le moment de vérité. On allait voir si Hungrybox avait ce qu'il fallait pour aller jusqu'au bout. Armada, lui, est tranquille. Il a gagné les 4 Smash Summit précédents. C'est juste une journée de plus au boulot. Ok. Oh non, le sleep. C'était propre ça, en vrai. Putain, mais il est full combo maintenant. Tu sens vraiment que le rondodo il est bien plus complet qu'avant. Hein. Tu vois qu'il arrive à full combo, à changer les pourcents beaucoup plus. Il a plus de pressure et tout. Armada win. Ça y est, Hungrybox est numéro 1 mondial. Après plus de 7 ans à galérer contre les Fox, les autres dieux, Armada, il atteint le sommet. Je crois que tout le monde a compris à qui il pense quand il fait ce signe vers le ciel. Hungrybox était devenu le meilleur joueur de Melee, mais voir ce rondoudou gagner autant n'était pas du goût de tout le monde. Et ouais. Une nouvelle rivalité explosait. Vous allez face off against Leffen tomorrow. Yes. How you feeling about that? It was the only reason I came to this tournament. I want to kick that guy's ass. Mon cas. Au fil des années, la relation entre Hungrybox et Mango se détend. Ils ne seront jamais amis, mais ils mûrissent, apprennent à se tolérer l'un l'autre. Best advice I can give you all in life is if you have a coworker or someone you will have to deal with for a long time, it is so much easier just to learn to like them than hating them forever. And that's me and HBox. Sometimes I go to bed and I just thank God that HBox is in my life. The amount of joy he brings me, while also bringing me so much sadness sometimes. No one's ever really made me feel that way. Mais il y a un autre bonhomme qui s'élève contre Hungrybox, Leffen. Et la rivalité entre ces deux gars-là serait la plus violente qu'on ait jamais vue dans Smash. Ces deux mecs sont totalement incompatibles. Et ils ont deux grandes gueules. How old is he, like 22, 21? I don't know. Maybe in 2 years, understand that sometimes talking shit and then getting destroyed for the 15th time in a row might be the reason you'd play badly. Pour les fans, la présence de Hungrybox est un véritable poison pour la scène de Melee. Son style de jeu patient fait, selon lui, fuir les spectateurs. En plus, Ouais. Les expressions de visage de les fans me terminent. Vous avez vu ou ben rien. Melee. Son style de jeu patient fait, selon lui, fuir les spectateurs. En plus, il considère Rondoudou comme un personnage très facile. Bah forcément. Attendez. Oui, c'est bon, c'est bon. S'il ajoute un véritable... Might be the reason you'd play badly. Pour les fans, la présence de Hungrybox est un véritable poison pour la scène de Melee. Son style de jeu patient fait, selon lui, tellement d'énergie, les tellement spectateurs. De focus, en plus, il considère Rondoudou comme un personnage très facile à jouer. Il dira que Hungrybox a un avantage sur tous les autres joueurs, car avec un tel perso, beaucoup moins de chances de faire d'erreurs techniques dans la pression d'un tournoi. Rondoudou est un danger pour Melee, et s'il n'y a pas plus de joueurs qui jouent ce personnage, c'est juste parce qu'il est trop chiant à regarder. Les fans pourrait très bien prendre Rondoudou, ça serait plus simple, mais non, il garde son Fox pour l'amour de Melee. I just don't like what he does to the scene. It's more like that, right? Like, yeah. I don't like him. But yeah,
Il se sent presque investi d'une mission divine, sauver Melee de Hungrybox. Il va prendre ça personnellement et Hungrybox ne va pas se laisser faire. Chaque set entre ces deux joueurs va être explosif. Levin, what are you gonna do to Hungrybox right now? You already know. You already know! Et malheur à celui qui perd, car l'autre ne... Pire caster de la planète, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bro, j'ai un mec qui... Je vais jouer un match. Explosif. J'ai un mec qui me fait ça dans mes oreilles, j'ai plus envie de jouer là. Et malheur à celui qui perd, car l'autre ne va pas se prier pour montrer sa domination. Levin wins. With a little smirk on his face. La fois où ça a vraiment failli partir très loin, c'est en demi-finale du Genesis 5 en début 2018. La haine entre les deux joueurs atteint des sommets et Leffen perd le set. Leffen's off the stage. Hungrybox is a mad dog. Wow. It's a mad dog. Wow. Ooh. Leffen est juste parti de la scène sans faire la table de points de respect à la fin d'un set. Hungrybox est enragé et lui crie dessus. Il dira qu'à cet instant précis, si Leffen était revenu sur la scène, ils en seraient venus aux mains. Ils peuvent pas se sentir, c'est pas que du spectacle. Et forcément, quand vous avez un joueur pro aussi suivi ça, que Leffen, en fait, Hungrybox c'est juste un gosse. Hein, répétition Hungrybox, que vous avez Mango qui est toujours là pour balancer des petites piques de temps en temps. Qu'on soit clair. Les 5 dieux de Smash, c'est des dieux de Smash parce qu'ils sont incapables de faire autre chose. C'est des enfants, genre. C'est des... Ils sont tous immatures, il n'y a pas un mec. Le seul, c'est Armada, et il a eu la maturité de sortir du milieu. Et la seule raison pour laquelle il est revenu, c'est parce que son frère l'a demandé de revenir, genre. C'est honteux d'avoir ce comportement. C'est vraiment honteux, genre. PPMD, je connais pas, mais est-ce que la majorité des joueurs, de manière générale, c'est vachement représentatif quand même de se rendre compte que les personnalités les plus fortes et les plus grandes gueules et les plus courantes dans ce monde-là, que ce soit, c'est pas représentatif de Smash, c'est dans tous les jeux, ce sera toujours des gosses en fait, des gens qui ont pas grandi, c'est un truc de dingue. Florida won. We didn't claim his victory in America. Ça chauffe aussi leurs fans et ça devient ok de détester Hungrybox. Et là, on touche à quelque chose qui est sujet à débat. À quel point Hungrybox était vraiment détesté? Est-ce que c'était la majorité des gens ou juste une minorité très bruyante? On pourra jamais quantifier à quel point Hungrybox était vraiment yo, ali, thanks, mais ce qui est sûr, le... c'est qu'il a pris beaucoup plus cher que n'importe quel autre joueur de Smash. Et avec un type aussi émotif que Hungrybox, alors que d'année en année, il est un meilleur, c'est un giga gosse. De l'autre côté, c'était de plus en plus dur pour lui. Tant mieux qu'il garde... C'est super important de garder ce côté enfantin où tu enjoyes encore et tout, mais pour avoir une certaine... All of a sudden, there's this magical fairy that comes down. She says, "Hey Juan, make sure you don't do anything that's questionable. Don't you dare say anything mildly offensive, and make sure you don't try to be nice. Because if you make an effort to try to be nice, people will think you're fake. Make sure you don't raise Armada's hand after he beats you at Evo. Don't try to be a good sport. Because we all know that's just you trying to get into the fucking spotlight. We all know it. It's a damn shame. If only there was some way of showing the respect I have for the best player in the world. But no. Big House 7, octobre 2017. Hungrybox remporte le tournoi contre Plup. Mais quand il gagne, cette fois, pas de célébration. Il reste assis dans son siège et regarde le public. Presque pas de réaction. 2-3 personnes l'applaudissent. Pour vous faire une idée, ça c'est la réaction du public quand Mango avait gagné ce même tournoi l'année précédente. You ever have everything you ever wanted, and then when you finally have it, you're like, now what? I guess I gotta find more things to want. Yeah, I guess so, man. All right, man. Something, you'll find it. I'll see you, man. All right, my dude. My man Loki sound sunk in place. I hope he's cool. SmashCon 2018. Durant le tournoi, Hungrybox regarde souvent sa montre lors des sets, notamment contre Mewtwo King. Et ça s'enflamme. Hungrybox n'est pas respectueux. Il regarde sa montre pour dire que son adversaire prend du temps entre les matchs. Quel connard ce Hungrybox. Oui, mais en fait, Hungrybox devait simplement prendre l'avion le soir même pour rentrer chez lui. Et forcément, il regardait l'heure parce que ça le stressait de savoir s'il l'aurait ou pas. On venait d'atteindre un nouveau point de rupture. They were almost all unanimously attacking me for looking at my watch. And that was the crappiest feeling of
all time. So I was just in the airport crying. And then after that point, I made a big statement on Twitter. Huge one. Dans ce tweet, Hungrybox explique à quel point il n'en peut plus, se sent détesté par la communauté de ce jeu qu'il aime tant. Il se demande à quoi bon continuer. Fin 2018, Hungrybox est à nouveau classé numéro 1 mondial. Et avec la retraite d'Armada cette même année, j'avais dit, tu ne peux pas tenir mentalement comme ça quand le monde est contre toi. Specific. Tu peux comeback en tant que underdog, tu peux sortir ton épingle du jeu, tu peux être le meilleur du monde. Mais si t'es détesté, en fait, c'est, que ce soit par le public, que ce soit par les adversaires, que ce soit par lui, etc. Tu ne pourras pas être simplement heureux de ta performance, en fait. Parce qu'une performance, c'est une performance parce qu'elle est relative à d'autres personnes. Et si tu peux pas partager justement cette performance avec les gens qui se rendent compte de ta performance, bah c'est un peu vide, en fait. Against Puff or Hungrybox is required to beat him. Yeah. It's no like lazy way around it. No. You have to do your homework. Mais de l'autre côté, Hungrybox se sentait plus que jamais en décalage avec la scène de. Y a pas de gloire. Hungrybox recommence carrément à travailler à côté, pas parce que Smash ne rapportait pas assez d'argent, mais tout simplement pour avoir autre chose que Melee en tête. Pour la plupart des gens, Smash Bros et les jeux vidéo sont une échappatoire. Eh bien, pour Hungrybox, c'était son boulot d'ingénieur, l'échappatoire à Smash Bros. Ah ouais. Avril 2019 se tient le Pound, un énorme tournoi de plus de 1700 participants. C'est le grand retour de cette prestigieuse série de tournois qui n'avait plus d'événements depuis 2016. L'ambiance est bon enfant, on a même un type qui se ramène avec un crabe et qui le fait s'asseoir sur une chaise pour regarder les matchs. Un jour normal quoi. Le tournoi se passe bien, la production est au top, et en plus on a une grande finale entre deux dieux, Hungrybox contre Mango. Yes. Oh, misses. Okay. Yep. Okay, very nice. Wow. Oh, big. Ah, give me serious, man. Ouais. Oh, yeah. 2-1. Oh, what a grab. Okay, clutch. Get 2-0. And there it is. And Hungrybox. HBox is your Pound 2019 Smash Bros. Melee champion. What a run from him to come all the way back from losers and take that. Of course, gotta give it up for Mango. The 3-0? The some 3-0? Shades of the Mango of old, but Hungrybox what is the champion. What is that? Once again. What is that? What is he holding? I'm not sure what that is in his hand. Lancé sur Hungrybox. À quel point tu dois avoir la haine contre un joueur pour faire un truc pareil? Heureusement, le crabe n'a pas percuté Hungrybox. Ça aurait pu être violent de se recevoir ça dans la tête. Mais le dégât au mental était fait. Hungrybox est atterré. Ce jeu dans lequel il a mis des milliers d'heures. Ce jeu qui le passionne est aussi la cause de moments désastreux comme celui-ci. Le type qui a lancé le crabe a été retrouvé et est banni à vie de tournoi. Cet incident du crabe a eu un retentissement très fort, dans l'e-sport tout entier, voire plus loin. Et ça a été un vrai tremblement de terre dans la communauté de Smash Bros. On avait franchi la ligne rouge et ça a été une claque de réveil pour de nombreux haters de Hungrybox. Faudrait vraiment commencer à se détendre, il ne fallait pas qu'on revoie un événement aussi honteux. Quant à Hungrybox, au fil des mois, il réussit finalement à s'amuser du crabe, ça devient un mème. On peut le voir manger goulûment du crabe en stream quelques temps après, par exemple. Les choses changeaient, et pour Hungrybox, il y a eu une vraie différence notable de traitement entre l'avant et l'après crabe. A year ago, someone threw a crab at me, and today, April 21st, 2020, I'm feeling more in my right place, more in my element than I ever have. I will say to the guy who threw it, it's weird that you chose to do it. It's weird that you chose me of all people to do it. But
I just want to say thank you. Fin 2019, Hungrybox est à nouveau sacré numéro 1 mondial pour la troisième année de suite. Nous sommes dans une ère de chaos. Le mec commence à... Ça commence à faire un palmarès là quand même. Plein d'excellents joueurs comme Axe, Wizro, mais surtout Zane sont devenus des vraies menaces. Mais quelque chose ne change pas, Hungrybox est le meilleur joueur du monde. The idea of who's the greatest, oh, les cathodiques en 2019, you know, ça m'est trop. People always say Armada because it is. But I'm hoping that I can do something that no one else has done. Which is longevity, just staying at the top or at least right next to the top for longer than anyone has. I just really want to do something no one's ever done. Et cette fois, en plus de la première place, Hungrybox est plus soutenu que jamais, et pas forcément par ceux qu'on attendait. Respect. En décembre 2018, sort Smash Bros Ultimate sur Switch, un succès monumental, tant en termes de vente qu'en termes de gameplay, avec un jeu qui réconcilie enfin les deux branches de la communauté Smash qui s'échauffent depuis Brawl. Beaucoup de joueurs de Melee donnent leur chance au jeu. Et ils ont remis Kirby, c'est l'un d'entre eux. Plus que Kirby, ça, il ne va pas simplement jouer, il va participer activement à la communauté de Ultimate, en tant que commentateur sur d'énormes tournois comme le Frostbite 2019. Hungrybox se sent bien dans la communauté de Ultimate. C'est un genre de nouveau départ pour lui. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui ne connaissent pas forcément toute son histoire et qui l'adulent. Et très honnêtement, pour quelqu'un comme moi qui vient de Melee à la base, ça me fait vraiment toujours super bizarre. Il est en train de signer des manettes Wii, ça me dit. Fan de Hungrybox, même dans les commentaires de cette chaîne. Ce qui a aidé, c'est aussi le documentaire sur Hungrybox par le youtubeur Amp Lemon, qui a touché un public bien plus large que la sphère Smash Bros et est actuellement à plus de 3 millions de vues. Ça a apporté énormément de nouveaux fans à Hungrybox vu la qualité de la vidéo. En tout cas, c'est vraiment impressionnant comme les choses ont changé. On a même eu Mango vidéo en 2019 qui tweetait ça. Pas de troll, juste du respect. On revient de très loin. À l'heure actuelle, Hungrybox semble épanoui, et même s'il a du mal dans les tournois en ligne, dans les tournois hors ligne, jusqu'à preuve du contraire, il est toujours le meilleur joueur du monde de Melee, et a d'ailleurs gagné le Smash Summit 9, le dernier énorme événement avant la pandémie et le confinement de 2020. Et en plus de ça, il est à fond sur Ultimate, et enchaîne les tournois en ligne, genre en août 2020, sur 31 jours, il a fait 17 tournois. I'm realizing now the fan group that I've built. You know, mainly around the ultimate and the new players, I don't think they really mind so much whether or not I get the W or the L. They're there because they enjoy my content, they enjoy being entertained, and I enjoy entertaining. Hell, I enjoy entertaining far more than I do competing. Whereas in Melee, same. I'm not the entertainer. I'm putting on this role of sort of the, you know, the, I guess the villain of the bracket. Hungrybox est devenu un des plus gros streamers de Smash et rivalise carrément avec Mango là-dessus, grâce à l'énorme audience qu'il s'est construit avec Ultimate. Dans le streamer game, être émotif, c'est le meilleur des atouts. A creeper? Oh my god! Oh my f- Bref, Hungrybox est en train de vivre sa meilleure vie, chacun a sa propre opinion sur ce joueur et elle dépendra sûrement de depuis combien de temps vous connaissez la scène de Melee. Si vous venez de découvrir l'histoire d'un joueur I love Minecraft. Par une communauté ingrate qui a réussi à devenir le numéro 1 malgré la haine, oui, si vous êtes là depuis longtemps ou avez côtoyé Hungrybox en personne ces jeunes années. Un truc que j'ai vu, c'est que je vous montre dans un joueur émotionnel, etc., ce que tu veux, que vous trouvez mais il overreact. Bien plus que n'importe quel streamer. Même quand c'est même dans les compétitions ou quoi, etc. Bon, je t'avoue, moi je me mange un crabe. Je pète pas un câble comme lui, tu vois. Je suis juste en mode de, bah. Si je le ramasse même pas en fait, je fais pas attention. Après, j'ai pas eu de la. Je me suis pas fait haïr sur une scène pro en étant top 1 contenders sur 8 ans, tu vois, mais. Je pense que c'était vraiment la goutte, tu vois, mais la manière dont il réagit aux choses de manière générale ou comment... En fait, je peux comprendre que ça avait tendance à tiquer les gens. Ça se, en fait, parce que ça se voit qu'il overreact. Ça se ressent trop, en fait. Et les gens, ils peuvent pas relate à du pas... Enfin... Comment dire? Pas du legit, mais du vrai ressenti, tu vois. Y'a mal dit hier, maintenant, ouais. Ces streams sont pas regardables, c'est trop de reaction. Ouais, je sais pas. Genre, par exemple, en réaction, par exemple, moi j'aime bien KSI, tu vois. En mec qui overreact un peu, mais qui fait des contenus qui me fait rire, ça m'arrive encore de regarder KSI.